Notre conférence s'est bien déroulée. J'ai surtout aimé qu'elle se soit déroulée dans une très bonne ambiance. Les gens souriaient, riaient, applaudissaient et réagissaient vivement à ce que nous disions. Tout le monde était de très bonne humeur. C'est probablement une particularité de l'Indonésie, c'est que les gens y sont toujours de bonne humeur. Je suis très heureux que notre conférence ait eu lieu dans une ambiance aussi chaleureuse. J'ai découvert le projet des moteurs Duyonov en 2018. Bien sûr, je me suis intéressée à ce projet parce que cette technologie est respectueuse de l'environnement. À noter que le manque d'écologie pose de très gros problèmes à l'heure actuelle. Cette technologie répond donc aux exigences environnementales et les investisseurs pourront en recevoir les bénéfices suite à la mise en œuvre et à l'application de la technologie moderne et écologique Slavyanka. Bien évidemment, faire un profit à la suite d'un investissement n'est pas la dernière valeur pour nous non plus. Cependant, la chose principale est ce que cette technologie peut être appelée exceptionnelle et grandiose. C'est pourquoi j'ai décidé de travailler avec Sola Group et d'investir dans la société Sovelmash. J'ai décidé d'investir dans Sola Group parce que je vois le grand avenir de cette entreprise. Sola Group parle non seulement des investissements, mais surtout de la préservation de l'environnement. En investissant dans cette entreprise, je ne fais pas que des profits d'ailleurs. Je contribue à résoudre les problèmes environnementaux mondiaux auxquels notre planète sera confrontée à l'avenir. J'espère que de plus en plus de nouvelles personnes pourront rejoindre le projet et investir plus activement. Car de bien entendu, le développement de cette technologie, son entrée sur le nouveau marché et la réception de commandes importantes, tout cela demande des fonds. Il est donc essentiel pour nous tous de soutenir l'entreprise et le projet. Laura Ginta est la partenaire nationale de Sola Group. Elle est donc la personne la plus importante pour nous en Indonésie à ce jour. Elle définit les tendances et les directions du développement de sa région. À en juger par les résultats, elle le fait avec beaucoup de succès. Bien sûr, aucun processus n'est possible sans une équipe. Et je tiens à noter que l'équipe de Laura apporte également une très grande contribution au développement du projet. Aujourd'hui, j'ai aussi beaucoup aimé la façon dont elle a pris la parole. C'était très énergique et j'aurais vraiment souhaité que son intervention dure plus longtemps encore. Les gens l'applaudissaient, ils souriaient et répondaient à Laura. On a vu qu'ils étaient tous sur la même longueur d'onde, ce qui nous rend très heureux. Le niveau de la conférence était très élevé. Les représentants de la société ont partagé des informations très importantes, détaillées et extrêmement utiles pour ceux qui ne comprenaient pas complètement le principe de la technologie Slavyanka. Les informations ont été présentées sous une forme compréhensible par Andrei Lobov, Pavel Chatsky, Pavel Filipov et par Viktor Aristov également. La conférence qui a eu lieu le 22 octobre a été la première conférence Sola Group en Indonésie, ce qui en fait un événement spécial et extrêmement important. C'est incroyable. Après 4 ans d'investissement, les dirigeants de Sola Group nous ont finalement rendu visite en Indonésie. C'était la première fois. L'ambiance était très agréable et accueillante. Il est sûr de dire que les représentants de la société ont réussi à établir un contact avec les partenaires et ils ont également partagé des informations clés sur le projet. De tout ce qui a été dit par André Lobov, j'ai été surtout intéressée par l'utilisation de moteurs de type Slavyanka sur des bateaux. Si ce projet pouvait être mis en œuvre dans ma région, où de nombreuses personnes pratiquent la pêche, il serait sans aucun doute très utile. J'espère que ce projet pourra bientôt être lancé dans mon secteur géographique.
Je ne vais pas aller de l'avant. Tous les développements qui ont été montrés ont suscité de l'intérêt et même notre remorqueur électrique, malgré le fait qu'il ne roule que dans la neige. Mais le plus grand nombre de questions et le plus grand nombre de projets envisagés concernaient les moteurs pour les bateaux. Je veux souligner que l'Indonésie est en fait constituée d'un millier d'îles. Il y a beaucoup d'États. Cependant, chaque État utilise des bateaux. Ici, les gens se déplacent en bateau. Ils sont engagés dans la pêche avec des bateaux. De plus, le tourisme est très développé sur ces îles. Surtout à Bali, où l'on utilise également les bateaux pour se déplacer. On nous a donc posé beaucoup de questions. Combien de personnes peuvent naviguer sur un bateau avec un moteur de type Slavanka? Quelle est la puissance de notre moteur? À quelle vitesse avance-t-il? Quelle distance permet-il de parcourir? Comment peut-il être entretenu? Tout cela concernait le transport maritime et fluvial. Le plus intéressant du discours d'Andrei Lobov pour moi fut l'application de la technologie pour le transport maritime dans les zones côtières. En outre, j'ai été très intéressée par les moteurs compacts pour motos et scooters. Nous en avons beaucoup chez nous d'ailleurs. Mais tout de même, comme je l'ai déjà dit, les informations partagées par Andrei Lobov seront particulièrement pertinentes pour les régions côtières. La technologie Slavanka permettra d'éliminer complètement le combustible et donc de réduire considérablement le coût de l'énergie. La technologie Slavanka peut vraiment être utilisée pour nos bateaux. Les gens pourront conduire des bateaux, par exemple en utilisant l'énergie solaire provenant uniquement de panneaux solaires installés dessus, et cela sans batterie. Cette solution sera très bénéfique pour les pêcheurs et les personnes utilisant le transport maritime. Je n'ai aucun doute sur le succès du projet. Cependant, je n'en ai jamais eu depuis le début. Malgré le fait que lorsque j'ai commencé à y investir, je ne comprenais pas tous les détails et les nuances. Néanmoins, j'étais toujours sûre à 100% de sa mise en œuvre. Sinon, je n'aurais pas invité les gens à rejoindre ce projet. Cette conférence nous a permis de recevoir de nouvelles informations et d'avoir plus de confiance. Par conséquent, le doute n'est plus permis. J'espère que cette conférence aura été une bonne impulsion pour le développement du projet dans cette région et pour le développement de l'Indonésie en général. Je souhaite aux Indonésiens de rejoindre notre projet, de l'étudier plus en profondeur et de s'assurer que nous avons vraiment les réponses à toutes leurs questions. Je suis sûre que nous nous trouvons au début de notre chemin en Indonésie, même si nous travaillons activement dans ce pays depuis plusieurs années. Nous ne sommes qu'au début. Je suis sûre que les résultats de notre travail plairont à tout le monde.